Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté là? What? Attends. Oh! What? Mais elle est gore de ouf, mec! Et là, c'est sur fusil tactique. Oh la vache, comment elle est gore! En plus, il y a une inspection d'armes. Bon, généralement, les inspections d'armes, parce que sur Black Ops Cold War, ils faisaient vraiment des inspections d'armes qui étaient cool, tu vois, sur le truc. Mais Vanguard, ils en ont fait quelques-unes. Elles sont à chier. Mais vraiment, genre, ils en auraient pas fait, je pense que ça aurait manqué à personne. Je suis quand même curieux. J'ai comme l'impression que ça va partir en mode. Pigeon? Voilà! Donc du coup, bah vas-y, on va équiper tout ça. Équiper tout ça. Donc mitraillette, qu'est-ce qu'on a? Ah bah non, faut que j'aille dans Vanguard. Mitraillette, décomposition. Alors bon, c'est la Sten. La Sten, sauf s'ils l'ont patch depuis, mais de mémoire, elle est pas folle. Capacité du chargeur, c'est bien. On va le garder comme ça. Ouais. C'est juste que, je pense, de mémoire, la Sten, quand tu cours, t'as l'impression d'avoir une couille qui tape dans le visage, tu vois. Même si j'ai jamais eu une couille qui me tape dans le visage, mais j'imagine que s'il y avait une couille qui te tapait dans le visage, ça serait à peu près le même effet. J'essaye de te mettre à la place du visage face à une couille. Oui, je sais, bah non, mais c'est... Bah ouais, je sais. Voyons voir. On va aller voir. On va tester. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça donne cette arme-là. On va se mettre un petit peu là-haut, comme ça, tranquillou. Alors, l'inspection d'armes. Ouais, tu vois, bon, je pense que c'est triste à dire, mais de toutes les inspections d'armes spéciales qu'il y a des armes de Vanguard, c'est peut-être la mieux. C'est pour te dire à quel point... Voilà, y a rien là-dessus. C'est plus un recul visuel qu'autre chose. Et là, quand tu cours... Bah tu vois, regarde, t'as une monocouille dans le visage. Mais l'inspection d'armes est rigolote. Avec le petit bruit et tout, ouais, franchement, de toutes les inspections, c'est quand même la meilleure. Elle est pas ouf, hein. C'est pour te donner une idée à quel point sont pourris les autres. Ah ouais. Tchou-tchou, c'est parti, let's go. On est là sur pic. Et il y a un chiot peu de monde. Ok, il est au-dessus. C'est ce que j'attendais. Merci beaucoup. Voilà. Merci ma petite poupoule. Ah, j'en ai eu un quatrième apparemment. Oh, le timing de merde. Oh non. Ah mec. Ah, y'a un petit pain qui arrivait à gauche, un petit pain qui arrivait à droite. Pop, sandwich. Allez hop, let's go. Non, dommage. Dommage. Comment ça, si on gagne? T'imagines perdre ton goulag en 2022? J'ai pas pu faire la glissade. Tiens, c'est bizarre ça. Merde. Bon, j'suis pas perdu non plus, quoi. T'imagines? Mais Ouais. Tu sais, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre ça. Et après, on prend le balloon si c'est un peu loin et puis on va le chercher. Ouais, ok, ça me paraît comme une bonne idée. Allez, ça roule, ma poule. Je pense que je vais peut-être pouvoir passer par. Par le dessus, non? Ouais, y a des trucs là, mais bon, je vais essayer de récupérer mon défi du coup. Il est en hauteur. Ouais, il est pas si loin. Allez. Des fois qu'il y a un petit peu de thune, tu vois le but. Des fois, il y a un petit truc sympa, un petit autoréa, des petites surprises. Il peut même y avoir là-dedans, de temps en temps, un petit spécialiste. Parce que là, je suis en plein mur.
c'est l'exécution. Hein. Ah, il est sur le chemin, lui, hein. Putain, quelle galère. Ah ouais. Mais quel enfer, franchement. Bon, bah, on se reverra plus tard. Hein. J'ai la flemme. Bon, il y avait des gustes là-dedans. Quoique, il n'y a pas de shop. Et je vais me parachuter. Et prendre la corde et je vais me parachuter. Il y a une caisse, deux caisses, je crois, non? Et je crois. De toute façon, ils en avaient deux là, là où j'étais. J'ai pas vraiment entendu le bruit. Donc, normalement, il doit y avoir encore un Gus dans le coin. Ah, il y a qu'une caisse. Peut-être celui que j'ai tué, va savoir. Bah, écoute, il y a un shop là. On va en profiter pour se prendre. Je sais pas quoi d'ailleurs. Une autoréa. Il y a un mec au ballon. Il y avait des gars derrière, mais ils sont un peu loin. On va voir le gars au ballon. Lui, il est sur le ballon. Hein. Ça, c'était bien, ça. Ah ouais. J'ai comme l'impression qu'il m'attendait un peu, le plouc. Bah écoute, j'espère qu'il est pas déçu, parce que je suis quand même venu. On va remonter par là, je pense qu'on va aller prendre l'autre ballon. Ouais, il est dans la zone. Bon, d'améliorer. Ah ouais. Hein? Drone amélioré ennemi au-dessus. Méfiez-vous. Ah, il y a trois drones. C'est un peu beaucoup là, non? C'est lui en plus. Hein. Je pensais qu'il allait chercher de l'autre côté, mais non. Bon bah écoute, elle était sympa cette game. Hein. Ah ouais, j'ai pas mal. J'ai pas mal. Kiffé. J'ai oublié un petit mot. J'ai pas mal kiffé. On va s'en relancer une, hein. Je pense que, ouais, on peut s'en relancer une, on peut s'en relancer une. D'accord. Le mec, il a ouvert le coffre, il a dit on me tire dessus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouvre le coffre. Joue la cool. Ah, il a fallu en mettre de la balle, hein. Là, j'ai en train d'avancer. Il y a un mec là-haut, c'est peut-être un petit peu loin pour l'instant. Mais bon, wow, on m'appelle. Je viens. C'est dommage, j'aurais pu avoir deux kills. Ah bah voilà. Un snipe. Ah mais en fait il y avait trois gars, ok. Couverte. Restez sur vos gardes. Te shield pas, te shield. Ah mais il avait ses classes lui. Thank you.
D'accord. You want to play? Nope. Nope. Mais... Nope. Mon dieu. Mon dieu, cette configuration de sniper est abominable. Il avait l'air de regarder quelqu'un. Et là, il avait... Ah, voilà. Il y a un gars, là. J'ai entendu un gars traîner dans le buisson à côté. Je peux dire que ça m'inspire pas rien qui vaille. Hein. Ah. Bon, il y a un petit shop à côté, à la limite, on pourrait aller se prendre un petit... Tiens, tu l'as entendu ce coquin là? Ah, le rat, le rat, le rat, le rat, le rat. Je t'ai dit bien, il y avait un mec dans le coin là, t'es... de ronger là. Ah ouais, non mais qu'est-ce que t'en penses toi? Ah, il sent la mort, hein. Ah, il pue. Ah, j'adore le petit grognement et tout. J'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire. Il s'est peut-être dit, si je me cache là, personne me voit. Répondez, leader. Ah mais il est sur le toit en fait. Et il y a un autre derrière, mais lui il était sur le toit. Vous voyez, je comprenais pas, je voyais personne à la fenêtre. Mais je regardais la fenêtre, mais il y avait personne à la fenêtre. Alors il y avait un autre gars au loin, mais je crois qu'il s'est barré un peu plus loin. Je pense que je vais prendre le ballon à droite. Hein. Pour passer la crevasse, parce que ça va être galère, ça va être galère. Ça va être galère. Ah, il est là. Ouais, tu vois. Est-ce qu'il a vu quelqu'un ou est-ce qu'il attendait le destin? On se barre! On va continuer, on va pas non plus... Bon, tu veux toujours t'assurer qu'il y a pas trop non plus quelqu'un derrière toi qui sont en train de... Tu vois, qui va te prendre par derrière, quoi. Parce que bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je suis pas là pour juger, mais je suis pas fan. Donc au mieux... Ah, c'est sympa de ta part. Hein. Ah, franchement, tu vois, les gars sont sympas. J'étais là en mode... Bah, on se fait chier. Mec, il est arrivé à offrir un kill. Ah, c'est sympa. T'es content, la petite Sten? Ah ouais, elle est contente. Je pense qu'on peut... On peut éventuellement considérer cette petite mission. J'ai comme l'impression qu'il était à deux doigts de vouloir me tuer et de me prendre mon kill, le Nukunkun. Hein. Pas vraiment d'accord avec ce genre d'opération. Hein. Allons chercher le gros gibier. Bah, y a un gars là, mais en vrai, si je tue la cible, le gros gibier... Et le gros gibier. Par contre, vraiment cool la petite balle dans le blanc. Hein. Le truc, c'est qu'il y a un gars à gauche aussi.
Ah. Ah oui, il avait plus rien. Bah, il y a trois gus là, quoi, sur la route. Fils de p***. Bah, pardon, j'ai dit un gros mot. Il doit être en dessous, hein. Je crois qu'il y a une crevasse en dessous, non? On va aller prendre fantôme. Il y a des gars sur le shop. Il y a un vendeur, si vous avez de l'argent. Mais what? Il en reste plus que 10. Mais what? Putain, mais c'est quoi ce shoot? Périmé, hein. Périmé. Comme la Sten. Je vais par là. Je parle pas de toi. Ah, t'énerve pas, t'énerve pas. Bon. Il y avait un gars là dans le trou. Ah, il est là. Ennemi repéré. Bon, eux, ils vont sûrement se rencontrer. Camping pussy. J'en peux plus. Eh, gars. Comment ça, je campe? Tu crois que je suis arrivé là? Je suis là depuis une demi-heure ou quoi? Vous savez où tirer. Peut-être lui qui m'a tiré dessus. Hein. Combien il reste là? 7 gars. On a une game sympa en vrai. Hein. Bon, il y a des gars qui sont au bord de la falaise, ils sont au moins 2. Hein. Je viens rarement ici, surtout en zone finale. Donc du coup, je suis pas vraiment sûr de par où passer. Hein. Pourquoi il... Pourquoi? Ah, c'est trop bien qu'on puisse récupérer les plaques en vrai. Hein. Vous savez où tirer. Chelou cette histoire. Chelou cette histoire. Il va m'emmerder, hein. Attends, mais comment il a déjà du shield? Comment c'est possible? Je les craque, le gars! Il team up. D'accord, c'est deux gars qui team up. Regarde, c'est deux gars différents en fait. C'est deux gars différents. Regarde, il team up. Non, mais sans blague! Non, mais. Sans blague, c'est deux. No way! Non! Eh, franchement, on en voit rarement sur Warzone. Je comprenais pas, tu vois. Je dis, bon, les gars, je les crack shield, vas-y. Voilà, c'est les deux derniers en vie. Non! Et regarde-moi ça, ce débile là! Regarde-moi ça, ce débile, trop content! Oh les gars, on est à deux en solo, on a gagné! Voilà, regarde-moi ça, voilà. Ça, ces gars, ils ont de la bouillie dans le cerveau. Non mais... Ah, c'est des gosses, hein. Mon dieu. Je suis consterné par ce type de joueur. Comme...
Je sais pas quoi dire. Et là ils sont... Voilà, trop bien. Eh les gars, vous êtes... mais comment a-t-il fait pour gagner ? Sur Warzone, j'ai rarement vu ça. Il y a des jeux sur lesquels on voit beaucoup, tu vois, genre tu vas sur PUBG, etc. Tout le monde team up, t'as l'impression. Mais... Ah bah là, c'est le rat ultime, là. Je vais pas insulter, parce que honnêtement, vous connaissez, hein, moi c'est pas trop mon genre d'insulter, tu vois. Mais... If me and my homie was in the solo together, we shooting a one at the end, straight fist, no gun. Hey, we shooting a one at the end. Ok, j'ai rien compris à ce qu'il a raconté le type. Hein. J'ai rien compris. Mais une chose est sûre. Quel fils de p***e. Ah, mais nique ta mère, putain. Mon dieu. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que la game était belle. En plus, le gars, je lui mets une balle. Je le craque, je lui remets une balle dans le blanc. Je fais, putain, ça, c'est depuis qu'ils ont mis les 150 HP, ça fait mal au cœur. Et derrière, tu dis, bon, vas-y, je prends la SMG, je lui tire dessus, puis je vois, qu'est-ce qui se passe. Mec, j'ai pas compris. Bon, c'était une belle game. Mais quelle bande d'enfoirés à team up comme ça.